Bon les gars, on est en direct du Millimètre Concept Store, on est à l'étage numéro 2 en haut. On est avec Lightning, ok. Qui va tatouer aujourd'hui des fesses. Que des fesses. Non, tout va bien. Hygiène et salubrité. Et oui. Donc là on est en train d'installer tout le matos, ça désinfecte. Toujours. Tout pour les caméras. Franchement là t'es sur le petit canapé, tu patientes. Hop, là tu te fais tatouer. T'as un shampoing. Là t'as des bureaux. Un concentré de travail et de talent. Du coup là, moi je vais m'occuper de coiffer et lui il va tatouer. Et après on va faire un petit prank, on va faire l'inverse. Genre moi je vais tatouer et lui il va coiffer. Non, je pense que c'est une mauvaise idée en vrai. Et là tu peux passer un coup de soap pour voir. Ouais, au pire toi, si tu fais une dinguerie là, un dégradé. Un peu bancal, mais alors toi. Ouais, mais par contre vraiment je veux essayer de tatouer. Enfin, moi j'ai déjà des tatouages de gens qui tatouent pas de base. Ah ouais. Je suis allé une fois à Marseille, hein, c'est un mec de Marseille qui m'a tatoué ça. Et il a jamais tatoué sa vie. Non, jamais. Non mais il a fait dedans, hein, le reste j'ai terminé tout seul. Ah, tu peux dire il a colorié. Tu mets le... C'est quoi le stencil là? Ouais, vraiment. Stencil et après je tatoue. Non, moi je suis chaud, ce soir je suis chaud. Vas-y, vas-y. Je suis grave chaud. Je tatoue Fabio. Il s'est coiffé. Fais gaffe. Ça va Fabio Duarte? Bah, toujours, on est là. Hein. Une petite vidéo pour... Lightroom, Light Skin. Lightning. Light Skin, rien à voir, il a remixé tout le blaze. Vas-y quoi? Aujourd'hui je vais te tatouer. Tu vas me tatouer? Ouais. Bah oui, c'est sûr, les gars, mais évidemment. Et moi, je t'ai fait un petit truc. Que moi, là. T'es pas fun, hein? T'es pas fun, hein? C'est un baiser, ça a mis dans Scooby-Doo, là. Non, j'ai pas le pantalon marron. Les gars, j'ai mis un pantalon beige. Ça a mis dans Scooby-Doo. Avec ses vieux pieds. Bonne ambiance au Concept Store. Il y a une prépa design au début. Et après, la deuxième année, c'est genre vraiment prépa technique de tatouage. Je vais essayer de tout c'est genre les profondeurs d'aiguille. Là, je me chauffe, ouais. Là, je me tatoue tout de suite. J'ai pas commencé le travail. Je me tatoue. Il est quelle heure là? Il est 36. Eh, à 10h, je commence, c'est bon. Je me tatoue le logo du Millimètre Concept Store sur les fesses. Ouais, ça se tient, hein? Les gars, l'installe, elle est 40 quoi. Vas-y, fais-moi le LA de New York, de Los Angeles. Non. Non, je vais dire, frère, t'habites pas les îles. Non, mais moi, j'ai des trucs de tous les pays. Ah ouais, t'as fait au Portugal? T'as fait en. Écris bien à tout que je t'ai. Je vais mettre la date d'ouverture du Millimètre Concept Store. Ouais. Hey. Du Millimètre Concept Store, ça part sur un petit 14-06. Du coup ici là. Là là comme ça. Comment je suis blanc là. On en profite les gars, petite pub, on a reçu ça. Ah bah play c'est pas ce qui se prépare. On fait tous un tatouage commun là. Jure? Ouais, on écrit tous Millimètre au corps. Mais la merde. Ma vie. Ça va ou quoi? Ça va toi? Ici, là. Du coup. Alors, ici j'avais mis impossible avec. Le rouge, le IM, du coup ça fait possible. Et ça signifie pour moi que tout est possible. Bélier, croire en nos rêves, merci, je suis Bieber, on t'attend. Du coup, bah ici je vais mettre la date d'ouverture du salon. Ah mais incroyable. Il est 9h43, voilà. Je commence le taf à 10h. Il reste 6 minutes à Lucas, aka Lightning, pour tatouer du coup une date sur... La beuh. Ce beau tibia tout blanco là. En fait je vous ai pas dit mais quand j'ai commencé la coiffure j'ai commencé sur mes jambes. Là je prépare le stencil là, hein. Donc pour les gens qui ont jamais fait de tatouage, en gros c'est un calque que tu imprimes et que tu poses sur la partie du corps à tatouer. Ok, petit pub pour Carhartt les refs. Il a le compas dans l'œil. Hein. Bien l'aligner, l'aligner. Attends mais je crois que je vais ouvrir le 17 en fait. Allez, let's go. J'ai des jambes arquées sa grand-mère, ça tu vois. C'est le football ça. C'est le football. Salut c'est Nino, swipe up, on est ensemble. Donc là en gros les gars, on est dans la merde. C'était un tout petit peu de comme ça. Ta daronne elle va te gifler. C'est bien. Mes parents ils m'ont dit le jour où t'habites plus chez nous tu fais ce que tu veux. Ça fait 2 semaines j'habite plus chez eux, je fais n'importe quoi. Ah c'est ta tata en plus, je suis en ouf. Non c'est pas sa tante. Mon cousin c'est le cousin de son père. Ouais c'est tout portugais. Mon père. On est dans Tattoo Express avec Lucas, enfin avec Light Skill. On va s'en tenir à Lucas pour la journée. Les gars, je sens absolument rien. Après, je vous mens pas, quand j'ai fait le coup, j'ai jonglé, mais là, on est d'accord que là, il n'y a plus rien qui peut me. Y a plus rien qui... Même tout le torse et tout, j'ai. Si, il y a un truc, c'est pas vrai. C'est laine. Je sais pas si t'as déjà un truc. C'est le bas du bassin, genre. Laine, c'est à côté des couilles. Ouais, vas-y. Je prends un mi-tour. 58. Et on est qu'à la première. Au premier chiffre. Ça va pas le faire. Non au pire tu fais un chiffre et on continuera après. C'est une mission ratée je pense. Bon les gars là on a fait le 6.
On va s'arrêter. On va s'arrêter là, meuf. Mais du coup, bah là, je vais aller travailler. Ensuite, bah quand j'ai une petite pause, je reviens et il continue. Ça fait un tatouage après ? Non, j'ai pas le temps, mais peut-être demain, je viendrai plutôt ici, la petite phrase. Je vais réfléchir. Tu vas écrire Milly, meilleur patron. Hop. Toi, tu fais quoi, toi ? Moi, je suis en train de faire Barber Market. Préparer dernière commande Barber Market, les gars. Entreprise de bosseurs. Ici, ça bosse. Oh, le plus beau. Ah, les moins chers. C'est super, ça va, toi ? Ça bosse. Et là-haut. C'est comment ? Oh, déjà, hein. Ça avance ? Ouais, ça avance gentiment. Il filme pas, il filme pas. Là, Fabio ? Et bah là, il est en train de se faire. Ausculter. Alors ? Oh, bah. Tu me recopies ? Bah, vas-y, toi. Regarde, on recopie. Détendu, Fabio ? Mais pas du tout. 100% confiance en Lucas, mon pote. Ah. J'ai trop envie de le tatouer, sa mère. Tu paniques, toi ? J'ai mal, trop. Un bisou sur le front. Vous en pensez quoi de ma tête là? J'ai pas vu. Ça va tranquille? Qu'est-ce qui se passe? Tranquille hein. Carré. En vrai, il est balèze ouf, ton bras. Ouais, il est balèze, mon bras. Salut la caméra. Bon, quoi ? Bien. Tu veux faire tatouer ? Tu veux faire quoi ? Ça là ? T'as pas du tout le même corps. Regarde, Poulging, il veut se tatouer quoi ? Il a le même corps ou pas ? Ouais, il est ouf. Il veut se tatouer le mec ou il veut se Tant qu'il est droit, tu veux mettre comment comme ça? C'est bon, je suis tatoué. C'est bon, c'est fini, merci les gars. Pas chino. Oh. Un fanta payé par Fabio, très très rare. Je vais mettre mon snap là. Ça part sur quoi du coup? Ça part sur un double tatouage. Un 7 et Eulinx. Ah, je sais pas si la mère de Fabio va aimer en fait. Ouais, voilà. On est bien. Putain, c'est long, mais c'est long. Il est long. Lucas, t'es long. T'as compris? T'as 10 minutes pour chaque tatouage. Eh, CR7. Ça va toi? Tu bosses? Non. T'es sûr? Depuis tout à l'heure, on te voit. Hein. Non, je bosse, les gars, dans Barber Market. On est en market, ça fait 8 ans, y'a rien à faire sur Barber Market. Mais si, gros, je suis en train de faire des publications, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Ton ref? J'ai dit que c'était là, genre c'était ça, mais en bas, t'as capté. Non, mais non, c'est que t'as envoyé une photo d'un mec qui a une tablette, tout ça. Non, c'est dit, tu voulais tatouer le gars sur ton bras, tu vois. Non, c'est ça. Tu vas faire ça, tu vas pas sur ça. Ouais. Ça part sur quoi, les gars? Petite typographie sur le bas. Tu vas faire ça, ici? Si, là. Tu sais que tu adores te mettre tout nu? Ouais, oh, j'ai l'habitude. Arrête de faire mes petits points. Ça a l'air la coupe de la journée, meilleur pour la fin. Vince. Vainqueur de la Mini Metro Cup, je le rappelle. Eh oui, oui. Capitaine de la Mini Metro Cup. Je le rappelle. On est là, toujours présent. En transition, 1, 2, 3, Amine, pas de danse. Il est 20h, je suis fatigué. Comme d'habitude, s'il te plaît, la semaine prochaine. La semaine prochaine. 18h30, vendredi prochain, c'est l'OT. Bonne journée. Je vous remercie. C'est énervé. C'est énervé, sa grand-mère. Arrête de contracter pour les caméras parce que tu vas commencer à m'énerver. On dirait que t'es genre un éclair au chocolat. On dirait un tonnerre, genre, de Zeus. Ah, mais t'as vraiment fait ça. C'est son chien qui est mort. C'est pas un stylo bic. Bon là du coup, enfin je vais pouvoir finir mon tatouage. 20h30. Longue journée hein, comme vous voyez. Hein. Guillaume il va finir son tatouage demain. C'est beau, il a fermé la journée, tu peux dire. Donc voilà, on finit ma bulge. Et après j'ai envie de me tatouer tout seul. Eh oui, enfin, enfin, enfin. Ça régale. Demain, grosse journée encore. En tout cas, là, je commence à être fatigué et je pense que ça se ressent. Salut les gars, et prenez soin de vous et faites attention à la vie et à tout ce qu'il y a autour. Salut. Déjà, deuxième journée. Et là, en gros, Milly... Je veux tenter, frère. Il veut tenter un auto-tatouage. Il veut me tuer. Et là, tu peux passer à un stop pour voir. J'ai fait un trait, il est timide. J'ai fait un trait, il est même pas...
Je trempe sa grand-mère. Ouais les gars, hey, franchement, ça va ou pas? Les traits ils sont pas trop dégueulasses. Là du coup je me suis chevron en tatoué Fabio. Attends, on va changer d'aiguille parce que l'hygiène c'est important. L'hygiène c'est important les frères. Lavez-vous une fois par jour, lavez les dents deux fois par jour. Faites pas comme d'un plein, lavez-vous les pieds les frères. Oh oh. C'est carré. Que... Ça c'est carré. T'en penses quoi toi? C'est pareil avec le smiley à l'envers. Ouais. Vas-y. Ça Fabio, moi on est frères. Frère de tatouage. Moi j'ai fait un smiley joyeux et lui va faire un smiley triste. Tu vas te mettre comme ça. Hey, Lucas, dis-lui tout est rattrapé, regarde. Il est binge de foot, t'as pas vu. En vrai, je te jure. Non, ça va, j'en vois. Hey, regardez, on est des frères. Il y a l'équipe au complet là. Aujourd'hui, on va pas filmer parce que il y a du travail. Vous en pensez quoi de mon tatouage? En vrai, de vrai. Ça va, oui. Sincèrement. Oui. Les traits, ils sont plutôt corrects. Non mais après c'est pas la guerre hein. Ah, vas-y bah essaye de le faire, je te jure c'est trop dur. Ça a l'air. Bon du coup les gars je vous dis à la prochaine. Ciao les gars, à la prochaine.